Coucou à tous, je reviens vers vous en fait pour une petite vidéo bon plan. Donc on va se consacrer à tout ce qui est bon plan gratuit. Donc là on va parler de la boîte rose, du coffret petit bonheur, des petits échantillons gratuits qu'on peut avoir en pharmacie, tout ce qui est carte de fidélité, donc que ce soit Carrefour, Géant, Leclerc, Intermarché. Donc voilà, vous allez avoir un petit coffret également pour votre bébé. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc on va commencer par la boîte rose. Donc la boîte rose, alors je me suis fait une petite liste de ce qu'il y avait à l'intérieur parce que j'ai pas tout. Vu que ma petite elle a 9 mois, j'ai utilisé certaines choses et puis j'en ai donné certaines. Donc par contre, j'ai gardé la petite boîte pour mettre plusieurs choses dedans. Donc là, voici. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, un carton tout simple que vous pouvez garder pour mettre ça peut être utilisé pour plein de choses. Eux, ils la conseillent pour mettre pour faire un coffret souvenir pour votre enfant. Là, on va pas trop voir avec le soleil, je sais pas. Ouais, non, on va pas trop voir. Donc, il y aura... En fait, ils vous proposent de mettre une petite photo de l'enfant avec son prénom, la date de naissance, son poids et sa taille de naissance. Voilà. Désolée, je suis un peu enrhumée. Donc ensuite, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, quelques petites choses. Alors, pour commencer, sincèrement, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pubs. Il y avait des échantillons, mais il y avait beaucoup de pubs quand même. Bon, on va pas s'en plaindre, c'est gratuit. Et franchement, il y avait des échantillons qui valaient vraiment le coup. Donc, je vais vous parler... Alors, il y avait Mixa, je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc, ça, super. En plus, c'est même pas un échantillon, c'est vraiment un full size. Donc, super, ça. On avait aussi Pampers, donc là, je les ai utilisés. Hein. On avait deux couches, je crois, Pampers ou une, avec pas mal de bons de réduction. Donc, ça, ça a été vraiment utile. Et on avait un petit magazine explicatif. Donc, ça, super. On avait une petite trousse Mustela avec un petit échantillon à l'intérieur. Bon, après, ça dépend de l'échantillon. Moi, je crois que j'avais eu la crème. Ouais, je crois que c'était la crème hydratante. Donc, super. Et la trousse, super pratique aussi. Il y avait des bonbons Haribo. Une tétine nuque. Donc, ça, super. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai une copine qui en a profité. Il y avait la lessive le chat. Un échantillon et un bon de réduction. Donc moi ça m'a, franchement ça m'a servi. Bon, le bon de réduction je l'ai pas utilisé, j'utilise une autre lessive, mais l'échantillon je l'ai utilisé et franchement il est super, ça sent bon, vraiment agréable à l'odeur. Il y avait des protections hygiéniques, des réductions CEA, des magazines, des réductions Carrefour, 5€ pour 30€ d'achat. Enfin vraiment il y avait beaucoup 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 de choses. Voilà. Il y avait également ces petits des livres gratuits Disney. Alors en fait ça vous engage si vous lisez bien, mais vous pouvez les renvoyer gratuitement. Vous pouvez renvoyer les livres que vous ne voulez pas. Je crois que c'est en fait on vous en offre deux et le reste ils doivent être payés. Enfin, je sais plus exactement, hein, pardonnez-moi, mais c'est un peu dans ce style-là. Moi, je sais que j'en avais gardé deux et le reste, bah, du coup, il fallait les payer ou les renvoyer. Nous, on les a renvoyés et on n'a eu aucun souci. Donc, voilà. Il y avait aussi, c'était pour des faire-part, si vous voulez faire des faire-part avec un bon de réduction. Un petit magazine Happy Book. Happy Baby Book. Donc celui-là, super, franchement, sur la première année de bébé, utile à lire, à l'intérieur, je crois, il y avait des bons réducs, enfin, moi j'ai trouvé ça sympa, et puis quand on est enceinte, sincèrement, c'est très utile à lire, ou même dès l'arrivée de bébé sur sa table de chevet, quand on a le temps, bien sûr, ça peut être une petite idée de petit livre à lire, voilà. J'avais également ce magazine Pleine Vie. Bon, sincèrement, je ne l'ai pas lu encore. Ça fait 9 mois. Voilà. Et on avait Verbaudé aussi. Un petit magazine Verbaudé, enfin, avec des offres plus ou moins intéressantes. Alors, pour vous la procurer, c'est simple.
En général, on vous la donne à la maternité. Moi, c'était pas le cas, mais je me suis rendue à la PMI pour peser ma fille, voilà, sans vouloir forcément la botte rose, hein, c'était vraiment comme ça. Elle m'a dit, vu que c'est la première fois que vous veniez, vous n'avez sûrement pas dû avoir la botte rose, je ne voulais pas donner. J'ai dit, bah non. Et du coup, elle me l'a donnée, donc moi, ça m'a arrangé parce que je n'avais pas eu à la maternité, donc du coup, j'en ai bien profité, voilà. Pour recevoir les autres boîtes, parce qu'apparemment on vous offre, en fait c'est une petite enveloppe, moi je l'ai eu pour les 3 mois de bébé, enfin oui c'est ça, pour les 3 mois de bébé, on vous offre une enveloppe, et cette enveloppe il y a beaucoup de publicité, sincèrement il y avait, pour moi il n'y avait pas d'échantillons, je sais qu'il y en a d'autres qui ont eu des échantillons, moi c'était pas le cas, voilà, alors, c'est pour les 4 mois pardon de bébé, alors, à l'intérieur de la botte rose, hop, vous avez le petit questionnaire pour remplir, pour recevoir les autres boîtes. Donc super, avec la petite lettre, enfin la petite enveloppe pour mettre le tout à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour la boîte rose. Donc là, je vais vous passer au coffret Petit Bonheur. Donc le coffret Petit Bonheur, il est offert par Aubert. Donc, en fait, vous allez dans un magasin Aubert, vous n'êtes pas obligé d'acheter, et vous demandez s'ils font toujours le coffret Petit Bonheur, donc normalement c'est le cas. Ils vont juste vous demander de remplir un petit papier avec vos coordonnées et de montrer un papier qui atteste de votre grossesse, en fait. Pour moi, j'ai pas eu besoin de montrer mon certificat de grossesse, vu que j'y suis allée, j'étais à 8 mois de grossesse, je pense, donc mon ventre se voyait super bien. Donc voilà, elle m'a dit, pas besoin. Alors, il se présente comme ceci. Mon coffret Petit Bonheur. Voilà. Et à l'intérieur, il y avait des échantillons de couches de Aubert, avec des bons de réduction, un petit gel intime, un petit échantillon de gel intime, projet Cavaillès, pratique pour la maternité si vous voulez l'amener. On avait, je crois, c'était des magazines, ouais, des magazines parents et je sais plus quoi, plein de prospectus, et il y avait également un biberon Chico, je crois. C'est le premier que ma fille a utilisé, et franchement, super bien pour les débuts. Après, je le conseille pas forcément pour tout le temps. Il y avait beaucoup d'air qui rentrait dedans, mais bon, ça peut dépanner ou servir de biberon d'eau. Enfin, je trouvais ça super sympa. Par contre, c'est pas tous les coffrets ne contiennent pas la même chose. Donc, c'est pas forcément, vous n'aurez pas forcément la même chose que moi, quoi. Ça dépend les années, ça dépend les magasins, etc. Voilà. Il faut savoir que dans les pharmacies, vous pouvez avoir des échantillons gratuits pour tester les produits avant même de les acheter. Alors, sincèrement, c'est très, très, très utile pour les futures mamans qui ne savent pas où donner de la tête avec tous les produits bébés et toutes les marques qui existent. Ça permet vraiment de se faire une idée du produit, que ce soit l'odeur, enfin vraiment plein de choses, la texture, c'est vraiment très utile. Donc vous allez dans n'importe quelle pharmacie et vous demandez un échantillon pour bébé, est-ce que si vous disposez d'échantillons pour bébé, pour pouvoir les tester en fait. Donc moi c'est ce que j'ai fait parce que à la base je voulais me diriger vers Mustela, mais n'étant pas sûre, j'ai quand même demandé des échantillons d'autres marques. Donc j'ai eu quand même du Mustela, ça m'a permis de tester et également d'avoir des petits formats comme ceci pour les voyages, et c'est super pour les voyages. Je le recommande vivement. Des tout petits formats comme ceci, vous voyez. Le physio bébé pour la toilette, le dermo nettoyant, et pour le change, le lait de toilette. Bon, moi, je ne l'utilise pas forcément, mais voilà. C'est super d'avoir des petits échantillons comme ça, soit à tester pour, avant l'arrivée de votre bébé, ou pour l'emmener avec vous en voyage. Avoir toujours un tout petit format, ça suffit largement. Sincèrement, j'ai eu trop d'échantillons.
Je les ai pas encore tous utilisés. Je peux pas vous dire. Voilà, j'en ai eu plein. Elles sont vraiment. Il y a des pharmacies qui sont vraiment adorables. Ils vous voient arriver avec votre ventre, ils comprennent totalement votre situation et hop, ils vous en donnent sans même que vous ayez demandé si vous achetez quelque chose. Chez eux, moi, j'ai eu besoin d'acheter des biberons, des tétines et du coup, ben. Ils m'ont donné des échantillons sans même que je demande, je pose la question en fait. Donc voilà, donc j'ai eu des petites trousses à l'intérieur, il y avait plein d'échantillons, bon là j'en ai rajouté, il n'y avait pas tout ça dans la même, mais voilà, il y a aussi des échantillons, pas forcément que pour bébé, mais des échantillons pour quand vous êtes enceinte également, si vous ne savez pas quoi acheter, donc là pour le buste et pour les vergetures. Ça permet de tester avant de se faire, enfin, pour se faire une opinion. Je trouve toujours ça pratique avant d'acheter un grand format pour rien. Voilà, vaut mieux tester. Voilà, j'ai eu du chlorane. J'ai eu du bébé Biafine. Du topicrème. Du uriage aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Du bioderma. Du Aven. Voilà, chlorane encore, mistella, vraiment beaucoup, beaucoup, mitosil. Voilà, c'est très, très utile et je vous recommande fortement de faire ça quand vous allez soit acheter quelque chose, soit tout simplement demander parce qu'on est toujours, toujours en rade de certains produits et hop. Oh, j'ai plus de physio bébé, il faut que j'aille en acheter, mais en attendant, ben, comment je fais? J'en ai un, j'ai un petit échantillon, je m'en sers, et c'est pratique. Pour les voyages, pareil. Et pour utiliser avant l'arrivée de votre bébé, pour voir si c'est le produit qui vous convient, c'est parfait aussi. A pu avoir un coffret d'empreintes, voilà, en pharmacie également, et c'était en fait, si vous achetez des produits, nous on n'avait pas acheté, il a juste demandé des échantillons Mustela, et le pharmacien a été super sympa, il nous a donné ma première empreinte, le petit coffret de Mustela. Je vais vous parler également des cartes fidélité, que ce soit Carrefour, Leclerc, Géant, Intermarché, toutes ces entreprises offrent un club bébé. Un club bébé, voilà, font des offres sur les bébés, donc les produits bébés, que ce soit, par exemple pour Géant, moi j'ai le droit à 10% de réduction sur tout ce qui est pour bébé, que ce soit le lait, les petits pots, les couches, les lingettes, tout ce que je vais acheter au rayon bébé, j'aurai moins 10% de réduction tous les jours en présentant ma carte. Donc ça c'est super, je crois que c'est à partir de 6 mois de grossesse que vous pouvez y aller. Avec un certificat de grossesse ou vous montrez votre ventre, hein, tout simplement, hein, ils sont pas bêtes. Donc voilà, vous avez aussi, alors eux ils offrent rien, rien, vous avez les 10% de réduction, et s'ils offrent un bon de réduction de 30% à valoir quand vous voulez. Voilà, j'ai eu aussi, le Baby Club de Carrefour, donc ça il faut vous inscrire sur leur site internet en rentrant le numéro de votre carte Carrefour et il faut imprimer un bon tout simplement que vous présentez à l'accueil de votre magasin et on va vous offrir un petit sac comme ceci. Utile pour les petites balades, je vais vous faire une petite vidéo sur les sacs allongés, vous verrez. Et à l'intérieur, j'avais des bons de réduction, des petits échantillons de petits pots, de l'eau, des mouchoirs. J'avais vraiment pas mal de choses et c'était vraiment très sympa de leur part. Il y a aussi le Leclerc qui fait ça et il vous donne également un petit sac ou une petite boîte, je sais plus. Et vous avez également Intermarché. Fait une grande boîte, pareil, avec plein d'échantillons. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais en général, c'est vers janvier. J'ai envié toutes les boîtes comme ceci, toutes les marques, toutes les sociétés font ça. Donc voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que vous profiterez de tous ces petits bons plans qui sont gratuits tout simplement et qui permettront de favoriser l'arrivée de votre bébé. Moi, je vais m'occuper de la mienne et je vous fais de très gros, gros, gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!